franchir la Loire avec le bac, c'est un peu partir en voyage. Franchir la Loire avec le bac, c'est quitter la terre ferme pour rejoindre une autre rive. Franchir la Loire avec le bac, c'est un peu s'échapper. Ce samedi 15 avril, j'allais rejoindre Virginie Gauthier qui arrivait à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes après 15 jours de marche. On n'est pas synchro là. Petite maison, c'est plein, mais tu peux aller voir si je peux. Il y a un truc qui à mon avis pourrait t'intéresser. Toi, t'es déjà plus sur la table ou pas? Ouais, je suis déjà venue une ou deux fois, mais j'ai jamais. Ouais, je fais ça. Tu l'as? J'ai jamais dormi. Il y a deux endroits qui accueillent en ce moment. Il y a la Wardine, où en fait il y a la deuxième partie de l'exposition. Et il est toujours là, Sylvain? Il vient de partir. Oui, oui, il est encore là. Sylvain? Il y a un petit avion qui est passé. Tu l'as vu? Comme en 40, c'est des œufs de Pâques. C'est l'ombre du ciel en même temps. C'est moi qui dis la pratique. Voilà, j'allais dire l'entretien. C'est pas du tout. C'est dimanche de Pâques, on cherche les œufs. Regarde, t'as raté le parachutage. Je sais. C'était trop bien. Et il continue à faire des tours. Alors là, j'ai halluciné quoi. Je pense que les gens de l'aérodrome d'à côté, ils nous aiment bien. Ouais, c'est peut-être en plus. Il y a un aérodrome, je m'en souviens qu'il y avait des trucs où on avait discuté en nagé de faire une banderole non à l'aéroport. On avait dit qu'au niveau de la communication, c'était un peu délicat de faire sur un avion un non à l'aéroport. Chez nous à France Inter, à André Manoukian. Mais pour l'instant, je vous propose de rejoindre la valse Zabella de Glazounov sous les doigts de Tatiana Franova.